Salut tout le monde, très très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Voilà, je suis en confinement, peut-être que vous aussi. Et avec cette vidéo, je voudrais souhaiter vraiment beaucoup de courage à tous ceux qui travaillent. Voilà, la reprise a été lancée, beaucoup ont repris le travail, hein. Mais moi, je fais partie de ceux qui sont encore en confinement. Et chez nous, ici en Italie, on dit io sto a casa, io resto a casa, ce qui signifie moi, je suis à la maison. Voilà. Je fais partie de ceux qui sont à la maison. Et je voulais, avec cet audio, souhaiter vraiment beaucoup de courage et adresser mes félicitations au corps médical, voilà, à tous ceux qui sont dans les secteurs de l'alimentation, qui travaillent. Vraiment, vous dire bravo, un bravo. Et surtout vous adresser mes chaleureuses félicitations. Voilà. Et sur ce, j'envoie un gros coucou à tous mes abonnés. Je vous envoie de gros bisous et je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous, respectez tout ce qu'on a dit. Voilà, tout ce qu'on a dit des règles quoi, d'hygiène, comme se laver les mains, tousser dans son coude, porter son masque quand on sort. Voilà, vraiment, il faut que tous vraiment nous y mettons une autre pour combattre ce vilain virus, voilà, le Covid-19, voilà, de l'éradiquer complètement, voilà, de la Terre. Si c'est vraiment, je vous dis portez-vous bien. Et puis j'en profite également pour j'ai suivi dans une vidéo et j'ai trouvé ça m'a interpellé quoi, et je veux partager ça avec vous. Trois règles pour vraiment être à fond quoi, parce en plus du règlement que nous a laissé le gouvernement, voilà, les institutions, l'administration, voilà, de se laver les mains, ça c'est les règles d'hygiène, voilà, de mettre au port du masque. Mais il y a également trois choses à prendre en considération qui sont super importantes. Voilà, je l'ai suivi dans une vidéo et je me suis dit pourquoi ça vient de me passer en tête. Je me suis dit pourquoi pas moi aussi le dire comme ça de façon vocale. Voilà, je voulais vous donner juste les grands titres car on parlait du sommeil. Voilà, le sommeil est super important. Ce n'est pas parce qu'on est en confinement qu'il faut dormir tard. C'est vrai, c'est facile à dire, mais moi, c'est ce que je fais. Je dors tard parce que je suis synesthésique. Voilà. Mais vraiment, si vous le pouvez, ça a évité. Et quand ça rend dormir, mieux dormir, bien dormir, ça fait du bien à la santé. Voilà, il y a également l'alimentation. Voilà, manger sainement. Éviter du sucre, ça a toujours été la règle. Voilà, prendre plus soin de soi. Et surtout, comme troisième truc, hein, c'était l'activité physique et l'activité spirituelle. Voilà. Et vous savez, mon domaine à moi, c'est l'activité spirituelle. Vraiment penser à méditer, à lire la parole, à prendre soin de son âme, de son cœur, combattre. Maintenant, on n'a plus d'excuses qu'il n'y a pas de temps. On a tous le temps en ce moment, tous, presque tous. On a plus de temps vu qu'il n'y a même plus de sortie. Voilà, même ceux qui travaillent, voilà, ce n'est que boulot, maison et achat. Donc, il y a plus de temps pour prendre soin de soi, que ce soit son spirituel, que ce soit son corps physique. Voilà, faites de l'activité physique. Moi, je m'efforce à le faire. Ce n'est pas facile, mais c'est bien. Et quand on l'a fait, ça fait du bien, non seulement à son physique, mais aussi à son moral, quoi. Donc, prenons soin de cela et pour couronner le tout, si en plus de prendre soin de son physique, on soigne également son esprit, voilà, on nettoie, on se purifie, on se repent, voilà, on se concentre et de savoir ce que Dieu attend de nous, ce que nous pouvons apporter à ce monde, à cette vie, ce serait vraiment le top, quoi. Et surtout combattre la peur. Toujours se rappeler, la peur, hein, chasse l'amour. L'amour chasse la peur. Donc remplissons-nous de l'amour inconditionnel du Père. Et toujours se rappeler qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Et pour avoir de l'amour, on doit puiser son amour dans l'amour inconditionnel de Dieu, dans l'amour inconditionnel du Père qui passe à travers Jésus-Christ. Voilà, se remplir de cet amour, la grande, de cet amour qui pardonne, cet amour qui est miséricorde, de cet amour qui ne juge point, cet amour qui ne condamne pas, cet amour qui sait pardonner, cet amour qui n'est pas égoïste, cet amour qui sait qu'il est mieux de donner que de recevoir, qu'il y a plus de bien à donner que de recevoir. Voilà, cet amour infini pour son prochain. Traiter son prochain comme soi-même, c'est vraiment le must, quoi. Oui, aimer son prochain comme soi-même, ça c'est le must du must. Donc vraiment, je vous souhaite que du bonheur. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Aimez-vous les uns les autres. Il y a Skype, il y a le téléphone, on se salue, on prend des nouvelles de tout le monde. Et voilà, surtout, on prend soin également de soi. Car quand on est bien avec soi-même, alors on peut mettre tout bien. Merci infirmière et à tous les infirmières, à tous les médecins, à tout le corps médical, vraiment bravo car c'est vous qui avez dû affronter
ce virus et surtout et aussi les familles touchées. Voilà, mais voilà. Dieu est au contrôle. Si c'est, je vous envoie de gros bisous et également la bénédiction de Dieu. Oui, que Dieu nous accorde à tous, nous remplisse tous de sa paix, de sa compassion, de son amour et de sa joie. Oui, la joie du Seigneur soit avec nous. Amen et avec notre esprit. Amen, 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 amen. Ciao.